Tu imagines si les juifs on avait le sapin, nous? Il y aurait eu des sapins. Si tu vois le sapin détruit tout. Ils ont mis de la boutarde qui brûle. Il y aurait eu une guerre de sapins de fou. Ça, je dirais, ils auraient des petits sapins tout droit, bien, des petits. Qui clignotent tout droit sans problème. Si les juifs en avaient le sapin, il y aurait eu une halakha de fou autour du sapin. La chérita du sapin. Comment tu coupes le sapin? Est-ce que c'est Etz ou Adama? Il pousse de la terre, on danse un arbre. Le sapin, c'est Michelin. Ce moment entre Hanouka et Noël, une période comme ça qu'on dit dans la Gemara à Noël. Tu t'imagines si les juifs on avait le sapin, la guirlande, c'est s'il y aurait un sens de le téfiline du sapin, ça te reviendrait tout ça. Imagine les Marocains avec la folie de vraiment les vrais dadis marocains qui te diraient tu es dans une guirlande si une boule elle est cassée. Si une boule elle est cassée, la guirlande elle vaut plus rien du tout. C'est pire que les drogues. Ah, ça aurait été génial si on avait le sapin. Le rabbin nous aurait fait tout un truc en disant « J'ai entendu, Kratmé Shalom, dans notre communauté, qu'il y a des gens, ils ont utilisé le sapin pour faire la soukha. »